hasard, la belle-sœur de ma sœur, elle avait pris un poste d'assistante directeur général dans l'hôtel le plus important donc, où j'étais née, sur l'île de Vancouver donc, au Canada. Elle m'a demandé si je pouvais travailler pour elle pendant l'été. J'avais 15 ans. Le DG, il m'a beaucoup appréciée. Il m'a demandé si je voulais travailler de plein temps à la réception. Après le travail, après l'école, excusez-moi. Et donc, comme ça m'a beaucoup, beaucoup plu, donc j'ai accepté. Donc, j'ai travaillé plein de temps les dernières 2 années avant de réussir donc, le baccalauréat entre 16 ans et 18 ans. J'ai eu de la chance, donc j'avais pas en tête, mais vraiment donc d'être DG un des jours, donc je me suis beaucoup plu donc dans le métier, donc de vouloir faire plaisir donc aux clients et de faire un travail de qualité. Et j'ai eu de la chance d'avoir un DG qui est devenu sénateur par la suite, donc au Canada, qui était un vrai mentor pour moi. Donc même en tant que jeune femme à cette époque-là, j'ai jamais questionné donc si on allait avoir des problèmes pour continuer d'apprendre donc de prendre d'autres challenges, et il m'a tellement encouragée que finalement donc j'étais la première femme pour le groupe à l'époque, donc un groupe d'hôtels de soixantaine d'hôtels dans 22 pays. Encore une fois, basé sur mon expérience, je ne voyais pas du tout donc, la différence entre donc, un homme ou une femme. Bien entendu, on n'est pas pareil. Beaucoup de femmes ont cette facilité d'être un peu plus peut-être à l'écoute que peut-être certains hommes d'hommes. Encore une fois, on ne peut pas généraliser. Les tendances naturelles pour une jeune femme ou une femme s'appliquent pour moi très bien dans notre métier. Il faut se remettre en question tous les jours, peu importe l'âge, donc on peut toujours s'améliorer. Et la sincérité, je pense que ça c'est très très important d'être transparent avec donc, les collègues, avec les équipes, avec les employés, également pour les accompagner. Et c'est un travail quotidien, donc ce n'est pas... de temps en temps, en faisant donc le point dans un bureau, c'est sur le terrain, donc, comme on dit en anglais, the one-minute management, quoi. Je pense que c'est le fait donc, de jamais baisser les bras. Que, donc là, il faut répéter, répéter, répéter. Je fais le métier depuis très longtemps, je répète beaucoup de choses. Donc, jour après jour, et en fin de compte, ça m'amuse. J'adore accompagner les équipes. J'ai jamais eu d'enfants, mais pour moi, j'étais toujours entourée par les jeunes beaucoup plus brillants que moi. Et en fin de compte, j'adore donc accompagner donc les personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je dirais, voilà, donc peut-être la force. J'adore donc le système européen où on fait donc beaucoup de stages. C'est tellement important d'être sur le terrain. Trop souvent, quand je faisais du recrutement dans les universités, que les gens, donc, ils étaient un petit peu donc naïfs, mais ils avaient donc la possibilité de faire les grandes écoles et pensaient qu'ils allaient très très vite atteindre donc un poste donc de DG, directeur général, donc avant l'âge de 28. Enfin, pour vous donner un exemple. Mais en fin de compte, ce qui est tellement important, c'est donc d'acquérir donc cette les bases. Il faut avoir donc une bonne vision de comment ça fonctionne pour avoir la crédibilité par la suite.
Et donc moi, je pense que ça c'est le plus important, donc de vouloir de faire donc service gouvernante. C'est le service peut-être le plus formateur pour moi, ou le service qu'on appelle stewarding en anglais, le côté pour la restauration, pareil que pour le service gouvernant. Ce sont des axes qui sont des bébés pour bien comprendre donc, le métier de quotidien. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais par rapport donc mon relation, mon vision avec la clientèle, au niveau relationnel, pour moi, c'est un travail de tout le monde. C'est la réceptionniste, c'est le bartender, c'est donc l'hôtesse, c'est tout le monde qui est sur le terrain, c'est les femmes de chambre, les valets de chambre, etc., etc. Et donc là, comme on dit, le client est roi. Et ça, il faut vraiment y croire. Donc, sinon, on ne devrait pas être, donc, pour moi, dans l'hôtellerie, surtout dans l'hôtellerie d'une certaine gamme où c'est vraiment la personnalisation qui compte. On peut toujours dire qu'il y a des VIP, mais finalement, tout le monde est important. C'est tout le monde qui traverse la porte. Ça peut être les clients aux restaurations, les clients, donc les Parisiens. Donc, c'est tout le monde qui se donne rendez-vous à l'hôtel doit avoir cette même reconnaissance.